Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu de Gunk. Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Disponible sur le Xbox Game Pass. Hey Beck, tu vois quelque chose sur le scanner? Non, le signal a disparu, mais j'ai mal au bide. Rien qu'en pensant, on ferait de carburant pour atterrir sur cette planète. Oui, je sais qu'on devrait plutôt passer à la livraison suivante. Mais je suis sûr que le pic d'énergie venait de là et je suis prêt à débarquer. D'accord, d'accord. Point de largage en approche. Tu es prêt? Oui, je suis anarché. Le gant de puissance réagit. Encore? Je pensais que tu l'avais réparé, non? Oui, avec de la colle forte. De la colle? Mais pourquoi tu ne l'as pas soudé? Parce qu'on n'a plus assez de zinc. J'ai utilisé le dernier morceau pour refiteler l'hydroclé. Plus de soudure, plus de café, il ne reste plus qu'une seule bière et j'en ai marre de manger du gruel à longueur de la journée. Ouais, c'est la misère. Allez, c'est parti! Je n'aime pas ce temps, je suis à peu près sûr que l'assurance du vaisseau ne couvre pas les dommages causés. Notre cher Dust Bunny est costaud. Si vous parlez, il vous dirait de nous poser pour l'explorer. Il veut juste qu'on atterrisse à partir de l'aventure. Un point pour toi, capitaine. Depuis quand je suis le capitaine? On a signé le prêt ensemble. On le rembourse ensemble. Pour attraper, porter et jeter certains objets, vous avez enfin réparé votre gant. C'est assez impossible, vous n'êtes pas établi. Il y a quelque chose, tu veux bien analyser les données du scanner? On est là pour ça, vas-y, scan. RB. C'est juste un composé de silicate basique, je détecte pas d'énergie particulière. Donc, ça fait rien sauf si on ramène plusieurs tonnes. Le cristal est très impressionnant avec ses particules bioluminescentes, mais ne contient pas vraiment d'énergie. D'accord. Attends, j'ai un retour de signal. C'est trop faible pour que je puisse en faire quelque chose. Il y a quelque chose ici qui brouille le signal. Viens voir. Mais qu'est-ce que c'est? Ben ça, en face. C'est dégoûtant. Un seul mot qui me vient à l'esprit en voyant ce truc, c'est Burke. Voilà, on n'a qu'à appeler du gunk. Est-ce que tu peux le scanner sans trop t'approcher? On sait jamais, on dirait de la morve. Si c'est ça, je ne sais pas envie de voir la taille de la bestiole qui a éternué ça. On dirait une matière organique, ça n'a pas l'air d'être de la morve, hein.
Tu penses que tu peux utiliser ton gant? Qu'est-ce que t'en dis, poupette? On s'en charge? Manierté, il n'y a pas de problème. Wow, c'est magnifique! C'est surtout très prometteur. Va vite trouver les données. Maintiens RB pour scanner la flaque. Bien sûr que tu n'as pas mis super glue, évidemment. Pourquoi? Ça ressemble au signal. On a déjà capté. C'est juste un peu plus faible. Je me trompe pas. Ce truc a un sacré potentiel énergique. Vraiment? Emballe pas. Ça reste une petite flaque. Et si on pouvait en trouver un gisement, ce serait une recherche à un endroit pour se poser, non? Oh, c'est une excellente idée. Chercher un endroit pour atterrir. Le schéma énergétique est identique à celui que nous avons capté à proximité de la planète. Mais il semble plus faible, la végétation est florissante. Une enquête plus approfondie nous permet de découvrir si les sources énergétiques sont fiables et stables plutôt. Je ne peux pas passer, il y a du gunk partout de l'autre côté. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on arrive à faire le plein de cette puissance, je pourrais m'offrir une maison avec un jardin et toi, tu ferais quoi avec? Je paierais mes dettes, évidemment. Mais ensuite, je n'aime pas faire de faux espoirs. Mais l'espoir fait vivre, Beck. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Une première sauvegarde. Ça va? Il y a un passage au-dessus de la falaise. Tu peux passer? Arrête de dire que je suis ta capitaine. Cet endroit semble assez grand pour Bonnie, non? Ouais, mais je peux pas me poser, il y a du gunk partout, tu peux faire le ménage? Certainement, avec un grand plaisir. C'est une genre de pollution? Je ne sais pas, mais ça dérègle les appareils. Aspire-moi cette saloperie.
Ouf, il ne reste plus rien, j'espère que ça va améliorer la réception. Oh, tu as vu ça? Incroyable! Tu crois que c'est grâce à moi? Le gang doit étouffer les végétaux. Atterrissage en cours, dégage! Allez, Kurt. À table! Tu devrais peut-être le programmer. Non, hier, il a rangé tous mes outils dans le lave-vaisselle. Ouais, la tempête, c'était quelque chose et cette rivière ne me dit rien qui vaille. Mais non, mais je pensais qu'on pourrait partir explorer toutes les deux. C'est une excuse pour te défiler et me laisser seul? Mais non, c'est juste que... Je sais, Rani, mais je dois d'abord m'occuper du vaisseau, tu sais bien. Écoute, j'ai lancé un scan pour retrouver le signal. Tu as qu'à éliminer le gunk et ça devrait nous permettre de mieux aller. À nous, à vos ordres, madame. Sois prudent. Ouais. Ça a l'air intéressant. Tu peux analyser ces données. Arrête de laisser distraire. Je croyais que tu allais te débarrasser du gunk. C'est dingue. J'ai l'impression que tu pourrais explorer du métallo. Oh, je sais, je vais la planter. Le sporophore rougeant contient étonnamment beaucoup d'énergie cinétique. Refouler une étincelle d'énergie devrait suffire à la libérer. Tout son potentiel, une fois la bulle retirée, la tige devrait pouvoir se produire à nouveau rapidement. Les racines sont très profondes, va falloir réparer ton gant. Une bonne fois pour toutes, avec de la soudure. Si on veut explorer cet endroit, je vais pas le choix. Obtenir des ressources métalliques. Un truc lumineux, ça donne une idée. Qu'est-ce que tu fabriques? Plus on ne peut rien faire avec, je demande ce qu'il passerait si je jette une graine à l'intérieur. Cache-toi, Kurt. Qu'est-ce qui se passe? Je vais entendre dedans. Améliorer. C'est quoi toi? Hey Kurt! À table! Bonne journée à toi aussi mon gars. Elle est vraiment sinistre, je me demande où elle mène. Je ne sais pas trop ce que je cherche, est-ce que c'est ça que j'ai besoin? Ouais, tu peux trouver mieux que ton gant, continue à chercher. Une plante qui donne des fruits, elle contient de la cellulose et des huiles naturelles, utilisées pour fabriquer des objets.
C'est ça. Poupée de lumière. La couleur bleu foncé de ce cristal est incroyable, contient des métaux précieux utilisés pour la fabrication d'objets. C'est là. Les champignons triglodiques ressemblent à des vers et tirent toute son énergie du sol. Et ils ne dépendent d'aucune photosynthèse. Et ça, ça pourrait être utilisé? Oui, il y a du platine là-dedans, ce serait parfait pour les soudures. Trouvez-en d'autres. Ces éléments complexes forment des structures cristallines, cubiques. Ce cristal contient des métaux précieux, utilisés pour la fabrication d'objets. Tu vas pas prendre de risques inutiles, hein? Je ne prends jamais de risques inutiles. Ah oui, je dois te rappeler ce qui s'est passé avant. Quand Tremaine ne m'a pas écouté, je l'avais prévenu pourtant. Elle ne doit pas une moitié de bras. Il fallait mourir dans cette mine puante. Et maintenant, tu es à mes côtés et j'ai mon gant. Ouais, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est demi-tour. Je veux pas, moi, je veux explorer. Un champignon fibreux qui pousse sur la verticale. Il peut s'agripper seulement à une surface pour former une sorte d'échelle. Il vous permet de grimper. Ah. Même fait, je retourne. Fibre de Kevlar. Gros champignon gorgé d'eau, sa peau pâlée reflète la lumière bleue. Ça m'a tiré ainsi à lui et des insectes. L'eau présente dans son corps ne contient aucune toxine, mais il vaut mieux éviter de les manger. D'accord. Blague. Heureusement. Champignons plats et circulaires aux reflets rougeâtres, on peut deviner leur âge grâce aux cercles concentriques sur leur chapeau. Comme pour le tronc d'arbre, ils ne reproduisent en voyant des spores dans l'air, non comestibles.
Le champignon a un corps en forme de feuille qui peut donner de longues fibres. C'est une ressource très utile. Cool, un raccourci. Je pense que ça va plaire à Bonnie. Ça pourrait être pire, là. Il y a des, la place, ça, c'est stable. Cette rivière me dit quand même rien qui vaille. Allez, on ne pourra pas trouver mieux. On va savoir ce qu'il y a plus loin. Son signal, j'espère. Tu me casses les pieds pour ton atterrissage et maintenant tu restes dans, dans mes pas. Allez, va explorer. Ça va, j'y vais. Pour attraper, porter, je sais, certains objets, vous avez enfin réparé votre gamme. C'est là. Et voilà, poupette. C'est pour la flambe en neuf. Je vais pouvoir arracher cette plante. Arrête de parler à ton stupide gant et va t'occuper de cette plante. Permet de courir plus vite. Ajoutez une exosquelette renforcée à votre genouillère. La meilleure amie des partenaires dans le pirate de l'espace peut rêver. Vous pourrez encaisser plus de coups avant de vous évanouir. Le tissu de votre combinaison est renforcé avec une fibre solide. Pas assez de ressources, d'accord. Ça veut pas.
Planter la graine. La graine de quoi? C'est une graine que j'ai pas trouvée. Ah! Il a lancé cette balle dans le truc lumineux, on verra bien, non? Qu'est-ce que tu as fait exploser? Je viens de faire pousser un escalier. Ok, donc une flaque d'énergie, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que tu reviens pas tout me raconter de vive voix? J'ai terminé mon boulot, t'as faim? Alors, quelques minutes, t'es jamais fatigué ou quoi? Excellent. Ça va peut-être nos graines. Et là, j'arrivais tantôt. Je me demande si la graine a repoussé. Eh oui. Et on peut pas sauter nécessairement. Ok, viser pour la jeter. Et voilà. Celui-là est énorme. Il a diffusement de l'énergie là-dedans, j'aurais quand même préféré qu'il soit comestible. Il n'a pas qu'à mâcher la grue pour tenir. On a aussi un sorgho qui pousse dans la serre. J'ai modifié la radio pour qu'elle soit un repéreur pour le scanner. Non, je suis un détecteur d'énergie sur patte maintenant. L'appareil devrait capter le signal énergique si tu en approches suffisamment.
Champignons sont étonnamment solides. Ils deviennent de pouvoir supporter le poids d'un humain. Bon, t'es dessus. On va se promettre à, je pense, trouver des ressources ici. Amasse tout ce que tu peux. Je t'entends mal, fais demi-tour, je n'ai pas envie de perdre le contact. Les plantes n'ont pas l'air bien, les guns doivent être en train de les vampiriser. Je ne peux pas laisser ça comme ça, je rentre vite, promis. Si tu penses qu'à cause du gun, peut-être que c'est une créature intelligente. Le truc gluant intelligent, j'espère que non. Un nouveau lieu, Jungle Fang. Je t'entends mal, qu'est-ce qui se passe? Je vais probablement rentrer un peu plus tard. Tu te fous de moi? Il n'est pas là, tu ne peux pas comprendre. Du gang dévore tout sur mon passage. Il n'y a qu'à venir et à quitter mon poste dans un banc de vide, dans tes rêves. Tu as raison, on doit éliminer le gang. Il y en a plus, je peux respirer l'énergie.
Cette absurde remplie de gang peur se videra. Intervalle, il est très corrosif, ne vous en approchez pas trop de lui car il crache. Bon. Et on passe à balayeuse. Putain. Ça semble une moule pousse. L'ombre et du sang me supporte de moindre ray de lumière. Les racines plongent profondément dans le sol et puissent des nutriments qui permettent de produire des fruits. Excusez. Ça fait un moment que je n'ai pas tiré, j'espère que je n'ai pas perdu la main. Ces plans pourraient faire une bonne soupe. Je suis un peu, tu pourrais pas avec ton pot de fleurs extraterrestre. Et si tu trouves un pack de bière et du café, je prends. Je vais voir ce que je trouve, mais t'emballe pas trop. C'est ça qui contient des matériaux utiles à la fabrication d'objets. C'est quoi ça? Encore une rivière. Salut toi, j'imagine que c'est toi qui chantes aussi bien.
Oh, c'est pas de la gentille, ça. Ou pas quand vous êtes laid. C'est un élément, c'est comment? L'attrapant, ben on les lance. Hein. Oh, tu t'en vas, beautiful. There's more life here than we thought, Bex. I've encountered animals. What? Really? Pour vrai? Mais il n'avait pas de crocs et ni griffes. Certains, oui. Si t'arrives quelque chose, je te préviens, je te jure. Un buisson est capable de changer les couleurs de ses tiges, peuvent servir de produire des fibres très solides. Amasser les éclats de ces cristaux augmentera le stock de matériaux de base pour fabriquer des objets. Cette planète est un vrai paradis quand il n'y a pas de gunk. Production colorée incroyable. Eh bien, s'il te plaît, on va avoir du mal à traquer le signal énergétique si tu nous fais un choc. On doit revenir sur nos pas et aller chercher la graine qu'il y avait plus loin.
C'est trop ouf, ça. On fouille encore un peu, sinon... Il y a quelque chose en face de moi. Allez, là, va. Un trésor, c'est pour ça, merci. L'enveloppe de cette plante ressemble à des couches d'écorce qui peut être utilisée pour créer une longue fibre résistante. Léger. Qui est là, crétin? Déjà. Manny Kurt, tu veux un échantillon d'eau de la rivière, elle est pleine de gunk. Il faudrait que notre campement soit inondé.
Cet endroit est incroyable. Si vous êtes blessé, quittez la zone pour regagner de la santé. Et voilà. Si je me mange pas bientôt, je vais tourner de l'œil. Quand est-ce que tu rends sur les traces d'un des plus beaux animaux que j'ai jamais vu? Je vais le suivre encore un peu. C'est toujours la même histoire avec toi. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu The Gunk live sur la chaîne Caribou Canadien.